également plein centre, bien sûr, au kilomètre de Montagne, des manches arrière, qui est bien sorti, Pierre Chenieux, également en deuxième position, et on retrouve Besançon à l'attaque, avec Élise de Forêt, qui était tombé lors de la première manche qualificative de jeu, et il faut tout faire là pour aller chercher sa qualification pour les demi-finales. Et deux manches arrière, et toujours en première position, la deuxième place de Pierre Chenieux, la troisième de Élise de Forêt, et puis la deuxième, c'est Guy Marcercio qui revient dans les extérieurs, le pilote d'équipe qui va tenter de passer. Elle s'attend encore d'attaquer là, et toujours Élise de Forêt qui résiste à ses arbitres dans les mêmes lignes de tout ce qui est la petite rapide en fait de tout, pardon, et c'est bien Élise de Forêt qui prendra la troisième place.